pas trop répondre aux fanatiques aveugles, je suis bien d'accord. Ouh, Robinson Crusoe. Donc nous avons tout perdu. On n'a plus de cheval, on n'a plus d'armes, on n'a plus de ressources, on n'a plus de pistolets. Enfin, en tout cas, nos pistolets rares. La condition sera si c'est amélioré et vous serez désormais en mode sang-froid lorsque... Oui, non, ça on le savait, on l'avait déjà débloqué. On a juste un flingue banal, je crois, un pistolet banal, enfin un revolver. Et un fusil à verrou, je crois. Il fait chaud, c'est les tropiques. Donc c'est la merde. Apparemment, l'objectivité est en option chez les testeurs pro. Ah, on va aller là, inconnu. Et ouais. Oh. Dutch is waiting for you, and you have that worker situation to deal with. What are you gonna do? I was told to guard this spot. Just following orders. Okay, I'll catch you later then. Sure, Morgan. Yeah. Regarde-moi la jungle. C'est super stylé. C'est classe. Ah, il y a les plantes. Non, on peut pas les ramasser. On va se faire attaquer par des singes. Ça va être comme Congo. Après, si je devrais être complètement honnête, je pense que la jungle, à un moment dans Shadow of the Tomb Raider, je crois que c'est le seul moment où c'est que j'ai dit que c'était joli, je crois qu'elle était mieux. Mais après, dans un sens, là, c'est comparé de la console avec du PC en ultra. Donc, c'est pas vraiment comparable. Mais la jungle, là, elle est super, déjà. Elle est super dense. Regardez ça, c'est énorme. De rien voir au fond parce qu'il y a trop d'arbres et tout, c'est super cool. On va faire le touriste. On va faire complètement le touriste. Y a pas de gros singe là-bas? J'en sais rien, je sais pas moi. Je suis toujours au deuxième campement. Oh la vache. Même les plantes, je suis sûr qu'elles peuvent nous attaquer. Ah oui, on est recherché aussi. Faut pas oublier qu'on est complètement recherché. Ok, par contre je crois que je me suis un peu éloigné. Ouais, je me suis un tout petit peu éloigné. Votre cheval n'est pas sur l'île. Ça m'aurait étonné aussi. Toujours en 4K sur PC. Non, 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 non. Je suis toujours en 1080. C'est les Antilles là-bas, je connais bien. Mais est-ce que tu les connais il y a 200 ans? Haha. Peut-être qu'avant, il y avait des singes tueurs. On les a tous massacrés. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était que ça? Un cochon sauvage. C'est devenu un jeu de survie, apparemment. Comme j'ai dit, ce jeu peut être n'importe quoi. Hein. Il est tellement bien fait, la base est tellement bien faite que ça peut être n'importe quoi. Ah, on va voir la personne.
Oh, il y avait un lézard, je crois. Animal inconnu. Ah, oh, on l'a vu. Ouais, je crois que c'est un lézard. Un iguane? C'est peut-être un iguane. On a 11 balles. Et là, on a 89 balles. On va prendre ça, alors. Vu la taille du truc. Les insectes sont dangereux par contre. Putain, on va se faire sucer par des moustiques. Ça, c'est pas un arbre, c'est une araignée géante. Oh. Ah, ok. Sympathique. Oh! Oh! Mais c'est fun! What? Ok. Bon, bah, c'était rapide. Une sauvagerie sans limite. Pas le visage! Donne-moi, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps peut-être de répondre. Laisse-moi le temps. J'arrive même pas à former une phrase. Ça aurait dû se passer comme ça en fait, Shadow of the Tomb Raider. Tirer le bras droit. Oh la vache, y'en a un là au bas aussi. C'est pas lancé. Fais pas attention à moi. Yeah. Ah la vache. Ah il tape fort sur par contre hein. Putain. Ah, il a plus qu'un bras. Oh yeah. I think I hear voices coming from the other ruins down there. Let's sneak down and take a look. Which way? I'll show you. Baptiste, you don't look good. You should rest here. Il manque un bras. Okay. You'll need this. Go. Go. Come. Follow me. Stay close. I know a way we can sneak around. Okay. Keep quiet and don't kill anyone. If they catch us, they'll murder the workers for sure. Who was that, Fed? Shh. One of Hercule's men. Ça va être dur de tuer personne, par contre. Quick. Hide. Over there. Intruso, matelo! Non, mais j'avais pas vu de quelle direction. C'était un peu difficile, hein, non, aussi, hein. C'est pas ma faute. C'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Stay close behind me. I know a way we can sneak around. Okay. Keep quiet. Wait and don't kill anyone. Tu m'as donné quand même 400 balles, quoi. They'll murder the workers for sure. Who was that, Phil? Shh. One of her guildsmen. Quick. Hide. Over there. Pedro, es una cosa. Mi abuelo siempre dijo que la Guarma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes, entiendo a lo que se refería. No hay nada aquí. Fais pas de bruit, t'es ouf.
Tan solo 3 meses más y a casa. Por favor. Okay. They've moved. Come on. Keep close behind me. Mais ils ont pas de vision parallèle, les gens. Enfin, ils voient pas sur les côtés, non? Okay. Let's move. Apparemment, non. Ok, je t'attends. Hey, guard. Keep out of sight. Ok, follow me. Keep quiet. Diablo quedaría mejor. Oh, pendejo. Pendejo. Está enfermo. Seguro está disfrutando mientras tortura a esos bastardos. Se le pone. Ah, no me puse. Two more ahead. Take cover on the other side of this door. Ok. Patas. Criado por el mismo diablo. Dans quel monde on est tombé, sérieux? ¿Qué tal va todo para allá? Ya casi acabo. ¿Saben? Por mucho que disfruto viendo un socialista colgando, ahorcar es un trabajo tedioso, ¿ah? ¿Eh? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. On reste à côté de la lumière là, c'est pas. Oh la vache! Je sais pas comment il m'a pas vu lui. Hein. C'est quoi le jeu? Qu'est-ce qu'on fait? Come on, follow me. Maldito bastardo! Attrapez! Mais tape-le! Oh putain! Ah! Chapeau, prendre. Pam! They're coming from behind us! Ah mais attends, je peux pas passer. Je peux pas passer à cause des mecs. On va se mettre là alors. Shot. Ah yeah. Ah t'as sauvé ton pote. Enfin non. Mais t'as pris une balle en plus. Il est au-dessus? Oh vache. C'est quoi cette musique? Ça fait peur. Il avait pas dit de tuer personne. Ah, il veut parler. Il voulait parler 2-3 là en fait, les travailleurs. Take care, my friend. Hercules getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here, this is for you. Thanks. It's not much, but it's the least we can do. Good luck getting home. Le pauvre Arthur. Ça passe DLC d'Uncharted. C'est vrai qu'il est bien. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas censé. Eh ben! Ça va toi? T'en fous de ce qui vient de m'arriver hein? Hein, tu t'en fous complètement, Mika. How's everything here? Wonderful.
Relaxing. You get Javier yet? No, that's next. Ouais, on a eu un petit problème. On s'est fait kidnapper. Vu qu'il faisait nuit, il y a sûrement quelques joueurs qui sont passés, donc... Mais fais pas attention à ce qui vient de se passer, c'est pas grave. Mon dieu, mon dieu. Bon, bah on est reparti. Je m'attends pas à ça, en fait. On va voir Dutch. On va essayer de récupérer Javier. Alors, je sais pas si on peut couper, vraiment. On va suivre tout simplement le chemin, même si c'est un peu long. Maintenant, on a un chapeau. Oh mince, on doit passer une rivière. On va se faire attaquer. Regardez ça. Merde. Vous avez vu le truc? Un sanglier 3 étoiles. Ok, sympa. Bon, ça va, je me casse, ça va. Oh la vache. Attaqué par les sangliers ici, merde. Iguane vert. On peut récupérer la peau aussi. Oh mon dieu! Putain! Y'a des piranhas là-bas? Sûrement. Mais putain, mais y'en a partout des iguanes, ça, bizarre. Ok, donc là, on va devoir faire gaffe. Parce que on est recherché en fait. Oh la vache. Putain mais ça y est, c'est devenu Metal Gear Solid quoi le truc. Ça tue. Quoi? Oh putain, je me fais tirer dessus. Ah, ow! Je sais pas d'où ça vient! Ah putain, putain. What? C'était quoi? C'est un sniper? J'ai rien choisi, hein. Bon bah... On est reparti. J'ai rien vu. Je crois que ça venait de l'avant, mais j'ai rien vu du tout. On y retourne. Et si ça refait la même chose... Oh putain, j'entends les serpents. On prendra un autre chemin.
Il va trop vite. Attends, on peut le coûter. Yes. Waouh, ok. Une étoile. On a perdu deux étoiles, bien. Comment c'est gros. Yeah. Boing. Bon. Oh, merde, j'avais oublié. Pas Big One. C'est pas eux. Mais il y a vraiment un sniper en fait. Snake. À terre. Putain, elle est où Quiet? Fais chier. Putain, il est dans un cocotier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fâche. Attends, si la balle est là, il est là. Ok, alors là c'est... J'avais toute ma vie encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai l'impression que c'est fait automatiquement. J'ai l'impression qu'on est en train de crever automatiquement, donc voir, je trouve un moyen. Bon bah. Allez, maintenant on va un peu plus réfléchir parce que apparemment ça passe pas. Alors, on a Dutch ici. Donc passer par la ville, enfin même on n'arrive même pas vraiment à la ville, c'est la merde. Donc on va passer, je sais pas, on va essayer d'aller là. Voilà. Ah, j'ai perdu mon chapeau du coup. Arabe bleu. Ah mais ouais, là on est dans MGS3, hein, carrément. Hein. Manque plus qu'on puisse se mettre la tête d'un alligator sur sur la tête du coup. Alors après peut-être que c'est pour nous pousser à passer par un autre chemin, mais un peu étrange. Ça c'est un peu violent. Il pourrait simplement nous dire on pourrait peut-être passer par l'arrière au lieu de nous tirer dessus directement. L'eau elle est moche quand même. On peut faire le saut de l'ange.
Ouais, non. Vu le nombre de rochers en bas, non. Est-ce que je peux passer? Yes. Ah, ah, ah. Dutch, on a un problème. Il y a des snipers. What's the plan? Well, I found the cave Hercule spoke of, and also a guide. She's up ahead. I think we can trust her. Elle? Follow me. Ah, mon chapeau. The entrance is along here. Just watch your footing. Mais c'est plus du tout le même jeu, c'est vrai. What do we do when we get Javier? Well, gonna get the hell out of here. Man, set sail for the one place. Ain't nobody gonna be expecting us. Get everybody together. And get ourselves back on course. Where would that be? Place we just escaped from. You wanna go back to Saint-Denis? If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't no one gonna expect it. We come back from the dead, gather everyone, and we leave before anyone realizes we've even resurrected. An insect bite you or something? Cause you gone, friend. We look like what we are. A bunch of desperados on the run. But with the women, a change of clothes? We're a choir, or a gang of pilgrims, or something. Whatever you say. We're a bunch of penniless fugitives on some Caribbean dump, sneaking through caves while two of our best men got shot. C'est énorme, ce jeu. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria! Ay, estás tarde. Buenas noches. Buenas noches. Dinero, the money, the gold. Aquí. Dámelo. Oh, it's genuine, the old hag. Ay. Vamos, vamos, rápido. Now that gold right there, that's the last bit of gold I have in my pocket from the bank. The rest of it is at the bottom of the sea. Exactly. Síganme y manténganse cerca. A la izquierda aquí. You know, wasn't Fusar one of the fellas Bronte pointed out to us at the party in Saint-Denis? Yeah. You're right. I knew I'd heard that name before. So, I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. No, that was me. You sure this Hercule fellers ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now of getting out of this place. Won't be long before someone figures out who we are and sends word to the U.S. So what happened with John and that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos, I begin to wonder, maybe, for somebody, this is all going exactly to plan. Still ain't sure what you're saying, Dutch. Puede callarse ya. Estamos cerca. Il pense qu'il y a une taupe, en fait, ça. The door is stopped. You'll have to lift it. Pardon me, my queen. Arthur, come help me with this. Just lift it. Okay, then. Just a bit more. Very good.
Elle est marrante. Aquí. Aquí arriba. This way. Si. Then you pay more. Okay. More. Just a second. Pay more. Pay now. Dutch, what are you doing? Jesus. Easy, Dutch. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I'm just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? I guess. Listen, son. Faut que ça soit plus subtil. You think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. J'ai pas aimé cette séquence. Ça a l'air d'être un peu forcé en fait pour faire passer Dutch en tant que méchant. En gros, c'est Handsome Jack de Borderlands quoi. Je tue pour éviter de me faire trahir. Non, la prochaine fois sera encore plus dur. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. Vamos, enough of this. Vamos, carajo. No. This way. They're all listening to that fool. They won't notice us if we stay quiet. Anthem sera streamé ce jeudi soir. Ah, faut qu'on regarde. Faut qu'on regarde tout ça ensemble. Well, I'm sure you got some ideas. Shut up and help me kill them. On my count, you take the one on the right. I'll take the left. Ils vont t'entendre quand même, non? So much for the count to three. Okay. Ah merde! Donc fallait vraiment attendre. Ah putain, ce que j'ai douté, j'ai attendu genre quelques secondes. Mais en fait, fallait vraiment attendre qu'ils nous disent 3. Désolé, Dutch. Let's head around the back of the building and see if we can find a way through. Désolé, Dutch. Franchement, je commence à vraiment bien aimer Dutch. Parce qu'il commence à avoir des traits de Handsome Jack que j'aime énormément par rapport à la psychologie et de comment le perso est fait. On va prendre ce chapeau, il est mieux. Et Arthur ressemble à Venom Snake par rapport à comment il réagit aux choses. Et ça me plaît vraiment, mais j'ai senti... un peu que le jeu me poussait à voir Dutch en tant que méchant à ce moment, juste à cause du fait qu'il a tué la vieille. Let's go in there. Well, you know me, Arthur will cause ourselves a little distraction and then poof, we will disappear. Ok. Mais pour l'instant, j'adore les personnages. C'est vrai que Dutch est... un peu... il est devenu moins chiant. Parce qu'il il devenait chiant en fait à Saint-Denis. Là il devient plus intéressant, j'aime bien. C'est ça. Ok. You take the nearest one on the left. Ça va deal with his friend. A butt stallion. Ah.
Oh, il y a des balles là. Over here. Désolé, je préfère complètement la version anglaise de Jack. J'ai toujours joué au Borderlands en anglais, donc vous m'excuserez. Okay. Now we need to create a diversion. What do you think? Find another old lady to strangle? Arthur, arrête. This is a war. Well, if this is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. Is there any dynamite? Oh no, we don't need dynamite. We got a furnace and lots of sugar. Sugar? Oh yeah. No problem. You'll see. Go close the windows and the doors. Go on, quick. Create enough dust. This place will go. Je comprends rien à ce que. Je comprends rien. Je comprends pas ce qu'il a en tête. Okay. We are nearly there. Vingt-deux heures pour nous. Je dis 15. Ok, faut je vais le marquer, faut que je me le note quelque part. Un peu comme on a fait pour le 3 peut-être. All right. Head on out and wait for me. I'll get this going. Ok. Ça dépend combien de temps ça dure surtout. Qu'est-ce que... Je sais pas ce que tu fais, Dutch. C'est énorme. Je sais pas ce qu'il a en tête. Ça va exploser avec du sucre? Je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer? Je vois pas comment ça exploserait avec du sucre. That place has to blow soon. Get ready to make a run for Javier. Attends. Fusil à verrou, carabine. Non, fusil à verrou, ça fait plus mal. Ouais, j'ai pas regardé l'explosion. Let's go. J'aime bien parce que j'avais pris le verrou enfin. Comment ça se fait que t'as toujours tes deux flingues? Mierda! Ouh, dans le chapeau et tout, c'est beau ça. Je prends Javier, couvre-nous, ça marche. You okay there? Javier.
kid. I think he's passed out, Dutch. Voilà. Okay, let's move. Allez, avance! Oh putain, derrière. Go, 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 go. Yeah, yeah. Go, go, Dutch! Oh putain de merde. Le verrou fait mal, hein. Le verrou fait très très mal. Héros des putes, hein. Comment t'oses parler de ma mère comme ça? On est mal protégé là en fait. Oh la vache. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Ah la vache. Là, là c'est mieux là. Non, pourquoi tu veux pas te plaquer contre... Oh mon dieu. Arthur, tu me fais de la merde. Super mal placé en fait. Arthur veut pas vraiment se plaquer contre les... Regarde, à chaque fois il se met accroupi en fait. Au lieu de se plaquer devant les... De... contre les parois. Il y a un mec en haut. Là on a vraiment des couvertures de merde. Oh, il y en a trois à droite. Ok, go. C'est prêt. Les enfers n'ont pas de pierre furie. Les enfers n'ont pas de pierre furie. Wow. Le jeu a pas mal changé, j'aime beaucoup le thème là. All right. Now, we did what you asked. It's like I said, Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, my friend. Fuso has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite!
Vite! Come. S'il vous plaît. Follow me. Ce qui est bien, c'est que avant, en fait, on commençait à se reposer sur nos lauriers. On avait plein d'armes, on avait plein de munitions, on avait plein de ressources et tout ça. Et là, en fait, il nous met dans un état de survie. Moi, je kiffe. Je kiffe bien. So now we have a real problem. This must... Attends, faut que je boive, je mange. The boat he called in from Cuba. That's a goddamn warship. You kind of have to hand it to this feller. So I guess great minds think alike. So what now? We fight or we want. Any of you boys feel like running? So what do we do? I will go get the cannon ready. Okay, let's get to it. Horse! Shoot that man! T'es sérieux? On se fait attaquer par un bateau maintenant? Oh mon dieu, par contre. C'est énorme! Oh la vache, je sais pas quoi faire! Par contre, la sensibilité, elle est décuplée avec cette arme. C'est horrible. Par contre, je vois quasiment rien. Oh la vache! Mal dans le pied. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Je sais pas ce qu'il a le... Oh, on a une Gatling géante. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le pousser. Oh la vache. Il y a un bateau là. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais c'est pas une Gatling, ça tire des obus le truc. Because if we don't, we're gonna die here and now. Okay then. Follow me. This is kind of fun. Ouais, non mais attends, parce que on va enlever le rolling block que j'aime pas du tout. On va garder le fury, le verrou, le fury, et on va prendre le double canon. Oh mon dieu. Couvre-moi, Dutch! Attends. Je peux pas prendre un deuxième flingue? Ah ouais, non, j'ai pas le... Pas le holster. Damn it! What do we do now? I think I got a plan.
courir à gauche. You cover the left side. Okay. Je m'occupe de la droite. Mais attends, la droite où? La droite en dessous du pont? Non. And you take the right, Hercule. Got it. Good luck. Et moi je fais les deux. Mais ils ont envoyé l'armée contre nous, mais c'est abusé. This is not over yet. Snake? Putain, t'as de la chance, toi. Comment on descend? What are we doing? Two of us must go and use the cannon. You go, Arthur. I'll gladly hold them off this beach a while longer. You sure? Just certain, son. My valet. You think that cannon will be enough? Only one way to find out. Christ's sake, how many men has Fusar got? That's the problem. It doesn't matter how many we kill. He will have the money to get more. Watch out! Oh, my gosh. We will have to climb up around the side. This way. With you. That one's going right for Dutch. Prends ça, connard. I got him. Let's go. Prends ça, connard. Où est-ce qu'on va? Putain, t'es parti où? Vache, on est en train de grimper. Yes, on y est. Et on y va. On va tirer avec le canon, géant. You make the cannon. I'll get you some more shots. Everybody, what in life? We need to put a serious hole in that. Oh mon dieu. Ok, un peu plus haut. Try aiming at the big boat, Morgan. And again, Morgan. C'est un peu lent. Recharger. T'as vu le bateau qu'ils ont, quoi? Un truc. Un truc en. Y'a que du métal, quoi, dessus. Truc blindé et tout. That was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. And cool. It was a great pleasure to make your acquaintance. C'était quelque chose. Hein.
C'était quelque chose. C'était énorme. I thought I was dead for sure. Hi, boys. We got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions. So when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. He's thorough, nasty, and vindictive. However, in this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once, I agree with you. Hercule? Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. Hercule, we follow you. Andale, this way. Andale? Quick! Let's get up around the back of that Putain, artillery ça continue. Juste au cas où. There's two guards. Arthur, come on. Get your knife ready. You take out the first guy, and I'll get the other one, okay? Avance. Okay. Non. Clear. Let's plant the explosives. Ok, lui là, là. Il avait les couteaux de lancer. You got it secured properly, cowpoke? I think so. Knowing you, I have my doubts. Shut up, Mike. Come on, run! Il se pousse et tout. Look out above us. On the roof. You're dead now. Come on. There's another set of cannons up ahead. Adelante. Atrapen al bastardo. Chou. A perdu sa peau. C'est une guerre d'indépendance, mais c'est abusé ce truc qu'on est en train de faire. Ah! Je suis totalement exposé. Comme lui. Oh! Pam! Pam! Head up the stairs and get the rest of them. Oops! Merci. I'll get the dynamite rigged on these cannons. There'll be more coming. We'll hold them off. Up here, Arthur. We'll have a better view. Okay. Okay, Jack. Look, more Fusar men coming through the field. Okay, come on. Let's pick them off before they get too close. J'avoue que là, j'utilise surtout la visée auto en fait. Ouh, headshot! Tellurion! How are you getting on with the
Ça va? Pas mort toi. Pas headshot. Recharge. Ah non, défonce la porte. Ok. Oh, défonce pas la porte. Ouch. I got you now, you bastard. We are all bastards, my friend. But only one of us is some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Eventually. Oh putain. I'm sure we will. But not today. Not because of you. What, Dutch? US Navy is on the way. I am sure they are. Which is why you're going to let us leave. Or you are dying right here, my friend. We've killed better men than you fools. Enough. On va faire ça. I've had enough of this. You saved my life. Thank you, Captain. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn, I am sorry you got hurt. Captain Sam. Let's go. Gentlemen. C'est énorme. C'est énorme, Dutch. Hey, Dutch, il est vraiment devenu intéressant. Enfin, il est vraiment devenu fun maintenant. Un cristal via un mog et écrit bouclier impérial, c'est pour avoir une nouvelle fois la terre mère de Wyrm. Ouais, c'est ça. Another one. Shoot him. He's going. Just get to that boat. C'est bien ça, Orion. Tu peux mettre des mog pourcentage sur celui-là et tu vas avoir la TMR. Look out on the left, this one on the rock. Dis connard. Quoi?
dinosaurs have died. In the tower? Yes. Yes, that's him. This goddamn idiot. Come on! He's shooting! We have to take him down! Comment tu veux... There's another cannon up ahead on our left. Can you get to that? I'll try! Okay. Use the cannon on there! Ok. Est-ce que on passe par là. Hop là, très bien, très bien, très bien. Wouh! Utilisé. Merde, prompteur. Ya 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 ya. Chut, ta gueule. Je sais pas si on est près de la fin. Je sais vraiment pas. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on, we'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to Haiti. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. Oh. We survived. Just about. Wow. What now? What now? What do you mean, what now? I mean, we're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. We slip ashore one by one, find out what's what. We don't cut and run now? Head back to Blackwater? No. Why not? Because the last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like our luck has turned. You know? And I ain't turning back. We had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pockets. Make our escape. Broke, alone, they're gonna pick us off one by one, and you know it. Maybe. Not. Maybe. We need to split up. Keep a low profile. Try to track down the rest. But carefully. See if they send any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up. We gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy. And that's not what I thought we were gonna be doing here. We have been in a bad way. Listen, I will kill for my family. Any of you want to judge me for that? That's fine, but that is who I am. Anyone disagree? Anyone?